Ouais, salut les gars, comment ça va? On part en dinguerie là, ancien sanatorium, super badant, beaucoup de faits paranormaux dedans. On va voir ce que ça donne. Je pense que c'est des dingueries. Je suis avec le poteau Val. Il est Al. Et notre conducteur attitré préféré. Yeah, bro. Le poteau Driss. On est chez moi. Conseil. Donc bah bon, on a 40 petites minutes de route et on va aller voir ce que ça donne. Je pense que ça va être énervé. Ouais, Sophie! T'es sûr que c'est super? Et ouais, je suis resté en Picardie, c'est à côté de gens. Ça va les gars ou quoi? What? C'est pas la dingue! C'est pas une imprime, les moumoutes! Les moumoutes! Non, ça a dur! Elle est pire qu'il tue! Bon, ok, on vient d'arriver. Bon, on a un peu galéré pour trouver l'entrée du bail. Et donc, on vient d'arriver. Là, on va s'approcher discrètement. Je vais éteindre la lumière pour qu'on rentre dans le bail. Et ouais, ça fait beaucoup de lumière. Et parce qu'il faut pas qu'on se fasse griller. Il y a un camping à côté, il y a une prison pas loin. C'est un peu chelou. C'est lourd. On est Al. Ah, c'est au hasard. Ok, je suis au hasard dans la forêt. Torse nu en train de faire des bails, tu vois, genre sous une tente. Ah gros, j'étais choqué, mec. C'est de toute façon. Ah vraiment, j'étais pas bien. On a vu ça, mec. On a longé le bâtiment là, sur la droite après. C'était tout grand, mec. Ça faisait toute cette partie là. Ça faisait flipper un petit peu. Non, j'ai vu ça, mec. Regarde, c'est à gauche. Ok, les gars, on est arrivé. Les folies. Beaucoup de flash. Je vais essayer de mettre un gros coup de lumière pour qu'on voit le bat. Ouais. Un peu. Bon là on est devant et je peux vous le dire, c'est franchement, c'est des dingueries. C'est un peu glauque. On est en plein milieu de la forêt, il y a un grand bâtiment. Alors on va rentrer dedans et on va voir ce que ça donne. Ah c'est joli. Totalement gelé au sol. Truc de fou, truc de malade. Ouais. On l'a pas fait ça. T'es pas toutes les billes. J'ai l'impression qu'il faut épuiser les billes. Pas encore la fameuse balance. Car les endroits un peu glauques là, c'est l'ambiance, elle a changé. C'est un peu plus froid, il fait humide. Ça ressemble à des caves, c'est glauque. Oh, c'est un coffre-fort. C'est un coffre-fort, gros. Ok, déjà on rentre pas tous ensemble parce qu'on sait jamais. Ouais. Ah là, c'est une chambre froide. Ouais. Chambre froide, mon gars. Ouais, c'était les cuisines, en fait. Ouais, bah c'était là. Ouais, en fait, on est dans les cuisines. Ouais, une grosse balance là. Ah, ça prend la gorge. On a oublié les masques et il y a un peu de moisissure. C'est la sortie. Dehors. Regardez, on est dans un.
tout ouvert. Ok, un côté inondé, l'autre côté on peut descendre. Ah, je suis grave en PLS. Ça doit faire, ça fait 1m2 quoi. Non, ça fait 1m80. Je sais pas si ça vaut quelque chose tous ces trucs là. Je sais pas. Bourré d'amiante. T'es mal prise à l'ancien. Condamné mec. Quoi? Ça grimpe, il y a une échelle. Ouais, une échelle. Ah ouais, on est passé par là je crois. Mais non, c'est pas possible. Attends, entre. Tiens la... Et là, on est dans le passage entre les deux dans les bâtiments. Grave, grave stylé. La salle est super badante. On est rentré dedans, il n'y a plus de bruit quoi. Genre super calme, insonorisé quoi. Ça rassure que très moyen. What? C'est vous qui avez écrit ça? Non mec, bah non bro. What? Driss Mama. Genre en fait... Adrien là? Driss Mara. Bah ouais. Du c'est... Non. Ouais. Ton surnom c'est quoi? Bah c'est Driss. En plus c'est pareil, même écriture. Driss Mara. Ça va? C'est déjà fait ça? Oh c'est badant ici. Il y a un fauteuil roulant. Ouais. À l'ancienne.
What? Pour la beuteuse. Arrête de la beuteuse, mon pote. Ne bougez plus. Salut. Vous avez une vie plutôt... Les gars, ils sont amusés à le faire. Et il y a du sang. Ça se passe pour descendre. T'es mal. Que de ta fiole. C'est votre faute. L'endroit était super malaisant. Genre ambiance bizarre, pas de bruit, dur de respirer. C'était grave malaisant de ouf. Oh, oh le malaise. Vas-y, rééclaire. On va l'entendre un bruit. Bon. C'est des notes, non? Non, des panneaux, un truc. Ah non, mais ça c'est. Le petit corps. C'est moi, à chaque fois que genre Driss est derrière. A chaque fois, il fait en sorte d'accélérer dès qu'il peut, genre pour se remettre au milieu. Genre, le mec a grave peur. Comme on est au-dessus de la forêt, en gros, t'as, je pense que t'as le vent qui souffle. Donc, ça passe à travers le. Enfin, c'est pas bloqué par les arbres, quoi. Et donc, ça passe à travers le bâtiment, c'est super bon. Oh, on est au dernier étage en fait. Et voilà, Adrien est passé devant moi. L'été dernier, il est repassé. Driss to Smoothfly, on l'appelle. Ouais, to Smoothfly. Il vole plus vite que son ombre. Derrière, ça se bat pour la dernière place. Ça se bat pour la dernière place. Il a sous pression pour. Ok, donc le but du jeu, Driss doit rester dernier. Non, mais elle me manque lui. J'arrête. J'arrête. Il est super en flip. Là, comment il a fait? Thank you.
beaucoup trop badant. On est chez les gosses. Je pense que c'est les anciennes caves, là c'est la chaufferie. Là c'est la chaufferie. Sale odeur. L'odeur elle pique, elle pique. Regardez, c'est la géographie du jeu, t'as vu? C'est-à-dire? On s'est posé au niveau de la main, au niveau de la coba, t'as vu? Alors qu'au final, on a marché quoi? On a marché 20 minutes. Si tu fais point A ou point B sans passer par... Non, mais regarde, il y a une route à côté. Ouais. Alors que tout à l'heure, on a vraiment traversé la forêt. En plus, on est descendu, on est descendu dans une espèce de cuvette. Et genre là, ça arrive comme par magie. Alors que là, tu vois, on dirait qu'on n'est pas du tout dans la même atmosphère. Ouais. Bon, on a vraiment traversé la forêt pour arriver là. Et en fait, on arrive de l'autre côté. C'est ça. Il y a des bruits super bizarres, super malaisants. Genre on sait pas si c'est des chiens ou genre des gens qui font je sais pas une cérémonie. C'est chelou. Genre ça fait. Bon. On vient de sortir genre en urgence, on a sauté la barrière parce que on entendait des bruits super bizarres. Comme un chien ou je sais pas, un truc bizarre qui se rapprochait, c'était. C'était bizarre, c'était malaisant de ouf. Ils sont été très proches. Je pense qu'ils étaient vraiment pas loin. Puis c'était mystique un peu quand même. Des hyènes, on aurait dit. Ouais, voilà, des hyènes. On aurait dit des hyènes. Genre, moi je serais des gens super foncedés qui seraient genre sous une drogue mystique. Et genre des chiens genre qui seraient en train d'aboyer mais en pleurant genre. Et c'est ainsi que les trois amis s'en allèrent dans le noir. Insouciant de ce qu'il pourrait se passer dans cette nuit très sombre, ils ont été retrouvés, tous les trois, égorgés par une force mystérieuse au bord de la route. Et non, c'est une blague, on est encore là, mon gars! On est encore là pour faire des grosses vidéos, même. Et ouais, et c'est pour ça qu'on se retrouve la semaine prochaine à 18h pour une nouvelle vidéo mercredi. Allez, les gars, salut! Yo tout le monde, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez encore plus de contenu, suivez-moi sur les réseaux Instagram, Twitter et Snapchat. Assurez-vous aussi de bien être abonné à ma chaîne pour encore plus de vidéos. Et si c'est pas encore fait, et bah regardez ma dernière vidéo, vous allez voir, elle est énervée. Allez, salut, à la semaine prochaine.